Et salut à tous, c'est Axi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et on va parler XP et niveau de lumière. En fait, la vidéo s'adresse surtout aux personnes qui ont pas vraiment le temps, on va dire, qui peuvent pas passer 80 heures par semaine à pexer, à monter en lumière. Les personnes qui peuvent faire ça et qui savent gérer leurs trois persos, vous n'aurez pas besoin de cette vidéo, ça s'adresse clairement pas à vous. Plus les personnes donc qui n'ont pas trop le temps, mais qui souhaiteraient pouvoir jouer avec les trois persos, parce que vous n'avez pas forcément envie de jouer tout le temps avec le même. Et on va regarder comment monter rapidement en lumière sur votre perso 2 et votre perso 3 qui ne sont pas votre main. Donc pour ça, une fois que vous avez commencé à monter le premier, que vous êtes arrivé à votre cap de la semaine ou à votre objectif, j'en sais rien, moi 950 ou autre, vous allez transférer vos armes sur votre perso qui est bon à rien. Donc moi, j'avais fait mon premier arcaniste, donc j'ai transféré ce que j'avais de plus élevé aux environs 915. Et en fait, vous allez aller dans votre collection, chercher les équipements de progression. Donc ça va vous coûter des lumens et des matériaux d'armurier. Et en fait, vous allez réacquérir de l'équipement. Voilà, et vous voyez que le niveau augmente petit à petit. Vous avez peu besoin d'équiper les pièces, hein. Ça se fait directement l'alignement de votre niveau, vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller équiper la pièce, revenir, aller équiper la pièce, revenir. Vous faites que acheter. Une fois que vous commencez à stagner avec l'équipement que vous achetez, vous allez pouvoir commencer à aller voir Shax et Zavala pour passer vos jetons de l'épreuve et de l'avant-garde pour récupérer de l'équipement. Alors à savoir que forcément vous aurez de l'aléatoire entre les armes et les éléments d'armure, donc il y a une petite part de chance sur cette partie là où il va falloir un peu croiser les doigts pour avoir de l'armure, mais ça vous permettra de passer un bon cap étant donné que sur leur équipement vous pourrez passer au dessus des 900, ce qui n'est pas le cas lorsque vous achetez dans votre collection. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir maintenant utiliser votre pass, votre season pass. Voilà, on a récupéré l'équipement qu'on peut avoir dans le pass. Je pense que si vous êtes à votre deuxième perso, vous avez déjà dû avancer. Et du coup, on se retrouve en quelques minutes avec notre équipement à 910. Voilà, ça nous a pris 5 minutes. À peine, un peu de ressources et encore pas énorme, et on a tout de suite un personnage qui est OP. Voilà, j'espère que ça vous aidera à pouvoir monter un peu plus rapidement et à pouvoir profiter de tous vos personnages. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !